Dany est un jeu de communication dans lequel les joueurs incarnent l'une des personnalités de Dany. Toutes les personnalités de Dany sont secondaires, sauf une. Les rôles sont distribués secrètement en début de partie et déterminent les conditions de victoire de chacun. Dany, la personnalité principale, doit empêcher les autres personnalités de prendre le contrôle tout en restant discrète. Les personnalités secondaires tentent de s'allier pour survivre. Chaque tour, l'une des personnalités devient la personnalité active. Elle pioche une carte idée et choisit l'un des mots. Elle prend ensuite 7 cartes souvenirs et dispose celles qu'elle veut sur la table. Les cartes sont librement placées, superposées, empilées, cachées, etc. La seule contrainte est qu'elles ne peuvent pas interagir avec les objets posés sur la table. Lorsque la personnalité active a terminé, les autres personnalités doivent communiquer entre elles et débattre pour trouver de quel mot il s'agit. La personnalité à droite de la personnalité active parle alors au nom de tous et donne une réponse. Le but du jeu est différent suivant le rôle endossé par les joueurs. Les personnalités secondaires doivent trouver 6 bonnes réponses. Elles gagnent immédiatement. La personnalité principale a une chance de gagner à partir du moment où 3 mauvaises réponses ont été données, ou lorsque la pioche souvenir est épuisée. Les joueurs procèdent alors à un vote final dans le but de démasquer Dany. Si la majorité pointe Dany du doigt, les personnalités secondaires gagnent. Sinon, Dany remporte la partie.